Monsieur le Président, Directeur Général de Métal Guinée, Mesdames et Messieurs les travailleuses et travailleurs de Métal Guinée, chers au cadre, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, c'est avec un sentiment d'honneur que je prends la parole à cette cérémonie de certification ISO 9001 d'un acteur majeur de notre secteur industriel dans notre pays. Et cela, une semaine à peine après ma prise de fonction en qualité de ministre de l'Industrie. Cela me rassure et me réconforte dans mon engagement de relancer dans les meilleurs délais les unités industrielles, patrimoine de notre État, notre chère Guinée. C'est l'occasion pour moi également de féliciter le président directeur général et tous les employés de Métal Guinée pour le parcours effectué, la rigueur et la constance professionnelle observée pour arriver à la certification ISO 9001 qualité. Ce n'est qu'au prix d'un effort d'équipe intense, de travail d'équipe intense, un dévouement envers la perfection et une volonté de fournir des produits et services de haut niveau qu'on peut en arriver là. Vous pouvez être fiers de ce résultat et vous féliciter vous-même, mesdames et messieurs, travailleuses et travailleurs de Métal Guinée. Élever vos produits à ce niveau de qualité et de compétitivité, c'est assurément garantir à votre entreprise une meilleure rentabilité, avec une plus grande et satisfaite clientèle au-delà des frontières, avec un tampon Made in Guinée. Quelle fierté nationale! Nous vous en remercions et nos encouragements pour la suite de cette quête de normes internationales. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises vous assurant de toute sa disponibilité à vous servir en tant qu'entreprise avec une politique nationale de développement industriel, un code des investissements des plus attractifs, des parcs industriels en cours de réalisation, avec bien d'autres mesures, vous invite désormais à intégrer l'élément contenu local dans toutes vos initiatives pour que notre pays puisse pleinement bénéficier de cette industrialisation. Je vous remercie et que Dieu bénisse la Guinée.